Salut les éveils, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième entraînement. C'est parti! Alors, pour le premier exercice, vous allez avoir besoin d'une grosse paire de chaussettes et d'un bout de corde ou de ficelle. Pour en fait, vous allez faire un marteau avec ça. Donc, vous passez votre ficelle ou votre corde autour de la paire de chaussettes. Vous faites un petit nœud donc, que vous pouvez enlever, hein, bien sûr, pour récupérer vos chaussettes après. Et ça vous fait votre petit marteau. Et donc là, comme à l'entraînement, le marteau, vous allez venir le balancer d'avant en arrière. Et le but, ça va être de viser la cible que j'ai fait avec les chaussures là. Donc hop, on balance et hop, dans la cible. Et donc si vous y arrivez bien, vous reculez votre cible. Pour le deuxième exercice, donc vous allez avoir besoin du marteau qu'on a fait juste avant avec la paire de chaussettes. Et vous allez l'accrocher en hauteur. Donc le but là, ça va être de se mettre en dessous. Il n'y a pas de course d'élan, rien du tout. On se met juste en dessous. Et ça va être de venir toucher la chaussette avec sa tête. Donc je vais vous montrer. Hop. Et si vous y arrivez bien, vous remontez un peu la paire de chaussettes. Pour le dernier exercice, vous allez avoir besoin d'un peu de scotch et de 2-3 coussins. Donc avec le scotch, vous allez faire une sorte de marelle. Donc moi j'ai pris du scotch jaune pour faire le pied gauche et du scotch noir pour le pied droit. Donc dès qu'il y a du scotch jaune, je mets le pied gauche et dès qu'il y a du scotch noir, je mets le pied droit. Et avec les coussins, là, vous allez faire différents nombres d'appuis entre les coussins. Donc 2, 3, 1. Donc vous allez changer. Donc là, on commence par la marelle. Donc je vais vous montrer. Hop. Et vous continuez le retour avec les coussins. Donc là, je vais faire deux appuis. Et donc si vous y arrivez bien, vous changez un peu l'ordre de la marelle et vous changez de nombre d'appuis entre les coussins. Là j'ai fait 2, donc la prochaine fois je fais 3. Bon courage pour l'entraînement, à la semaine prochaine les éveils!